Bon, ben alors, Claude et Janine, alors aujourd'hui, pour tes tours un peu spéciaux, furieux, pour parler de street magie. La street magie, c'est la magie qu'on peut faire dans la rue. Et un tour que j'aime bien faire, par exemple, avec deux cartes, quand je vais faire des courses ou pas, et au moment de payer, je dis que bah, j'ai pas de liquide ni de carte bleue, mais en fait, les magiciens, en fait, ont des cartes magiques. Il suffit de faire le code comme ça, et si on fait 1, 2, 3, on peut voir que là, un billet qui peut apparaître. Donc, ça fait toujours son petit effet. Ou sinon, il y a aussi un autre tour qui se fait avec quelques cartes. Quand c'est quelques cartes, c'est 1, 2, 3 et 4. 4 cartes, mais pas n'importe quelle carte, c'est 4 rois, face en bas. Mais si je claque tes doigts, on peut voir qu'il y a deux rois noirs qui apparaissent. Après, rien de spécial, mais on peut me dire, et les rois rouges. Donc, il suffit que je fasse 1, 2 et 3. Et rien qu'en claquant des doigts, on peut voir que deux rois rouges apparaissent. Après, ah oui, j'ai oublié de dire, hein, Claude, à ton avis, comment il s'appelle le tour? Les quatre? Roi. Les quatre rois? Non, en fait, c'est pas les quatre rois, parce qu'en fait, c'est les quatre as, puisque c'est bien 1, 2, 3, et 4 as. Donc, si toutes les quatre as sont là, le tour est déjà fini. Après, un tour qui est moins strict magie. C'est ma petite compilation. Comment je pourrais faire ça? Bah tiens, Claude, tu vas couper le jeu. Comme ça. Hop, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais garder un repère sur sa coupe. Je t'ai pas dit, mais depuis le début, j'ai une enveloppe. Une prédiction. Alors maintenant, on va s'occuper de la carte de ta coupe. J'ai pas fini. Ah. Voilà. Qui en fait, bah, je peux la regarder, qui en fait l'as de cœur. Et en fait, j'ai ma prédiction. L'as de pique. Et même pas, parce qu'en fait, c'est exact. Ça va être deviné parce que c'est exact. Parce que si tu regardes bien, comme je dis, c'est exact. Mais bon, après c'est pas très impressionnant, mais rien qu'en se concentrant un peu, on peut voir que comme je dis, voilà, c'est vraiment exact. On va essayer de faire autre chose. Par exemple, il suffit que je remélange le jeu. Et donc, on va recommencer. Claude, tu vas recouper le jeu. Voilà. Et toujours pareil, je vais garder un repère pour la coupe. Tu l'as sûrement remarqué, depuis le début, ici, j'ai une carte. Donc, je vais mettre la carte, on va la regarder après. La carte de ta coupe, là. Et en fait, est-ce que tu peux. Je vais d'abord montrer ma prédiction. Ma prédiction est en fait. Le roi de Un pique. roi de pique. Est-ce que tu peux retourner la carte pour montrer qu'en fait. Une dame de cœur. Ah. Oh. Ah oui, mais bon. C'est dit, bon, comme il y a un petit Père Noël, c'est dit que c'est un peu Noël. Et la magie de Noël, parce que rien qu'en frottant et en claquant des doigts, tu peux voir qu'en fait. C'est bien, la dame de J'applaudis cœur. pas parce que j'ai les mains prises. C'est pas grave. Eh voilà. ben, avec Hein? ça, bah voilà. C'est C'est fini. bien Voilà. fils. Ouais. Merci. Ouais.